Un petit bras de fer au coin d'une table, tout le monde connaît. Mais ce matin, c'était une affaire plus sérieuse. Avec des règles, le positionnement des mains, des coudes, des limites, comme le fait de ne pas pencher les épaules plus bas que la table. Certains combats durent 3 secondes, d'autres se prolongent longtemps. Très longtemps. On a annoncé très peu de temps. Il y avait eu beaucoup de gens qui sont venus pour participer à cet événement. C'est vraiment super. Et pour moi, je souhaiterais que cette sport soit affilié ou soit reconnu. Une fois que l'un des adversaires a pris le dessus, il est bien difficile de remonter la pente. D'où la propension de certains à mettre toute leur force d'entrée, quitte à tordre un peu le poignet de l'adversaire. Toute cette testostérone ambiante a bien sûr fasciné les gamins, même si certains ont déjà de la pratique. Observez le regard triomphant de Heitea, 10 ans. T'es sûr de toi? Oui. T'es le plus fort? Oh non. Attendez la tête. Arrête. Je m'entraîne. Finalement, il y eut un seul affrontement entre femmes, vite plié par des messias, un peu frustré de la rapidité de l'expérience. J'ai jamais fait ça. Même comme ça chez toi voilà. Avec des amis? Non, même pas aussi. J'ai envie. Quand t'as vu, tu t'es dit je vais faire voilà. Ça. Voilà. Maintenant, il faut te trouver des adversaires. Mais il n'y a pas d'autres. J'aimerais bien faire avec les mecs si c'est possible. Hein. Tu veux te combattre ouais. Les mecs? C'est pas grave si je perds, au moins je vais faire. Un homme super fort reste un costaud, quelle que soit la discipline. Leveur de pierre certains jours, mais adepte du bras de fer depuis toujours. Géant a tout emporté et vite fait. C'est plutôt une passion de jeunesse. Depuis mon très jeune âge, je faisais déjà le bras de fer à l'école. Voilà. Et ça concorde avec le lever de pied. C'est toujours un sport de force. Voilà. C'est toute une technique hein, qui parle aussi avec le corps. Hein, et ouais, utiliser les jambes, un peu les jambes, hein, fléchir les jambes, que ton corps suit ton bras. Voilà. Discipline potentiellement très spectaculaire, le bras de fer retrouvera sans doute d'autres occasions de toucher le public.